la France accueille les jeunes talents internationaux au Grand Parquet à l'occasion de Fontainebleau Classic Summer Tour 2. Les cavaliers japonais se sont élancés hier après-midi dans la Coupe des Nations où trois pays étaient représentés, la France, la Belgique et l'Allemagne. On va chercher la latte, tant qu'il arrive. Sur pareil, on se recoupe de la palanque. Là, on remet du galop, on respire. Je trouvais que le parcours était bien aux côtes, avec un numéro 3 assez difficile qui a causé quelques problèmes avec un bidet. Et ensuite, le reste du parcours était, moi j'ai trouvé assez technique et tout, intéressant. Exceptionnellement, les sélectionneurs ont pu faire partir une seconde équipe. Il en est de ce cas chez les Bleus. L'Abbé, parti en première position, a été représenté par Léon Herzig, Agathe Masquelier, Junie Buisson ainsi que Nolan Valla. En équipe A, et deuxième à prendre le départ, Olivier Bost a choisi de sélectionner Ilona Mezzadri, Lola Brionne, Anna Zarzewski et Jeanne Hirel. Et ben les équipes, bien sûr j'avais un cursus de l'année dernière avec des cavaliers que je connais bien et on a eu la chance quand même de courir Bordeaux en début d'année qui m'a laissé des repères. Et ensuite j'ai la computerliste des Tournées des As Excellence qui court depuis l'année dernière, sur lequel je me suis appuyé, puis quelques vidéos des coachs avec lesquels je travaille. Et ensuite la confiance qui règne depuis le début avec mes entraîneurs privés pour faire ce chemin. L'épreuve est lancée par le tricolore Léon Herzig et Ken van der Kid, un ouvreur, et pas des moindres, puisque le couple réalise le premier sans faute. En tête de cette première manche, l'équipe A s'est imposée en haut du classement avec un score vierge, venant soulager les 10 points de Lola Brionne. Seconde manche pour un podium définitif, la tête ne bouge pas, une telle présentation française de l'équipe A, nul besoin à Jeanne Hirel de reprendre le départ, la France est garantie de l'or. Et ce n'est pas une, mais deux marches que les Bleus se sont octroyées sur ce podium, l'équipe B a remporté l'argent, totalisant 16 points. Le bronze revient aux mains des Allemands avec 36 points. Un grand merci aux poneys et aux chevaux qui nous ont fait rêver aujourd'hui. Et surtout, je voulais remercier tout le staff fédéral parce qu'on est tous, bien sûr, pas tout seul. Hein. Il y a toute une équipe d'entraîneurs, de staff technique qui est là présent et qui m'a aidé à faire ces belles victoires. Merci aux chevaux, aux poneys et aux cavaliers. Merci à tous surtout. Hein. Moi aussi, c'était ma première Coupe des Nations. Mon poney était génial, le parcours assez technique, la hauteur ça allait, c'était pas non plus le plus gros parcours de ma vie, mais assez technique et je suis vraiment contente qu'on ait gagné et toutes les filles, je suis fière d'elles quoi. C'est clair que c'est super bien de surtout de gagner avec ses meilleures amies. Après, on se connaît tous très bien, donc on connaît tous nos défauts, nos qualités. Quand on veut se remonter de nos morales, à tout moment, nos amis elles peuvent venir nous aider et je trouve ça vraiment génial. Bah, ça peut être un peu stressant d'aller sur une Coupe des Nations alors qu'on a eu le confinement. C'était une pause assez longue quand même pour les poneys, même pour nous. On reprend très fort déjà avec cette Coupe des Nations et on reprend très bien surtout vu qu'on a gagné. Puis surtout revivre des émotions comme celle-ci, avoir de l'adrénaline avant d'entrer en piste, tout ça, revibrer, je pense que c'est ce qu'il nous fallait après cette longue période. Et même pour nos poneys, je pense qu'ils étaient un peu aussi malheureux parce que s'ils nous donnent tant, c'est parce qu'ils aiment être sur la piste et nous donner tout leur cœur.